Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? J'ai besoin d'aller au centre commercial, donc Laurie m'a demandé de lui construire un lit. Ce qui est bizarre parce que je suis presque sûre qu'elle en a déjà un. Attends, pourquoi tu fais encore des corvées pour Laurie? T'as pas l'âge d'aller au centre commercial toute seule? Si, mais j'ai loupé le permis de conduire 12 fois. Plus personne ne veut m'apprendre à conduire. Papa est encore en colère à cause de l'accident borne d'incendie, livreur de journaux, bonne sœur. Je dois laisser un mot. Et si moi je t'apprenais à conduire? Waouh, t'as le permis de conduire? Eh bien, non. Mais j'ai un score incroyable sur Total Turbo 22, le jeu de course le plus génial du monde. Cool! Attends, il y a des bonnes sœurs dedans? Non, j'ai assez de sœurs comme ça. Bon, tout ce que tu as à faire, c'est garder le volant bien droit. Comme ça? On va recommencer. Garde le volant bien droit. Ok, encore une fois. La route est droite, donc garde le volant bien droit. Lenny, il faut que tu restes sur la route. Ah oui, et pourquoi faire alors? On va pas dans un endroit sympa de toute façon. Bien sûr que si. On va à... au centre commercial. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Come on! Waouh! Fonce, Lenny! Bouge de là, Limace! J'ai besoin d'une nouvelle robe de conduite! C'était incroyable! Hors de mon chemin, grand-mère! Oh! Doucement, Fast and Furious! Mais je dois aller au centre commercial! Ça peut attendre. D'abord, tu as un permis de conduire à passer. Allez, Lenny! Allez, Lenny! Attends, l'arrêt de bus est de l'autre côté! Allez, Lenny! Allez, Lenny! Tu l'as eu? Non, elle ne l'a pas eu. En revanche, elle a refusé de respecter les limitations de vitesse, d'utiliser ses clignotants, et elle a changé l'itinéraire du test en direction du centre commercial, où elle a agressé Madame Jelinski. Cette jeune fille est folle, c'est quoi son problème? C'est pas juste! Quand j'ai fait tout ça dans le jeu, j'ai gagné! Vous devriez peut-être vous mettre d'accord sur les lois! C'est la pédale de frein. Elle sert à quoi, la pédale de frein? Des escarpins blancs avec un survêtement? Ah, arrête! Exactement! Je crois que je peux récupérer mes gaz. Voici la pédale d'accélérateur. Elle sert à quoi, cette pédale? Bottes des années 70. Faut foncer. Ouais. Lenny, je crois que tu es prête pour l'étape suivante. Bonne nuit, Lenny. Tu vas tout déchirer demain. Bonne nuit, Lincoln. Bonne nuit, Laurie. Clic. C'est bon. Ne regarde jamais dans tes rétroviseurs. Fais toujours des commentaires sur le poids de ton examinateur. Va, je vais mettre le sweat de Bobby que tu aimes tant au sèche-linge si tu refuses de me dire la vérité. D'accord. J'ai saboté le test de Lenny en lui donnant de mauvaises instructions pendant son sommeil, mais c'est parce que si Lenny peut conduire, ma chambre ne sera jamais rangée et plus personne n'aura plus jamais besoin de moi. Mais t'es complètement folle. Et si elle avait eu un accident à cause de tes mauvaises instructions? Et si elle était blessée? J'avais pas pensé à ça. Il faut qu'on aille à l'auto-école. Oh, heureusement, elle n'a rien. Et peut-être qu'elle l'a eu? Non, elle ne l'a pas eu. En revanche, elle a roulé du mauvais côté de la route, elle n'a pas regardé dans ses rétroviseurs et a fait des commentaires sur le poids de l'examinateur. Oh, ça fait 14 fois. Je vais devoir me contenter de la tondeuse toute ma vie. Écoute, Lenny, c'était pas ta faute. Si, c'était de ma faute. T'as travaillé très dur pour m'aider à avoir le permis. T'as même appris à parler le Lenny. D'ailleurs, j'arrive toujours pas à croire qu'il y ait un pays qui porte mon nom. Oh, j'ai tout gâché. J'imaginais tous les endroits trop cool où j'aurais pu tous vous emmener. Le centre commercial, le magasin de BD, le centre commercial. Désolée, je vous ai laissé tomber. Je ne peux plus supporter ça! Oh, c'était de ma faute! J'ai carrément saboté ton examen! Saboté? C'est comme si elle avait acheté la robe que toi tu voulais. Comment as-tu pu? Je suis vraiment désolée, Lenny. Mais je sais comment me faire pardonner. Tu veux m'acheter la robe? C'est gentil d'aider Lenny à s'entraîner pour son prochain examen. C'était la moindre des choses. C'est bien l'air de covoiturage.